Ma paying chara chana ma paying chara chana na tam gueyong. Marie-Hortense Nietzsche. Bonjour. Ma payen charan charan. Ma payen charan charan tam gueyo. Ma peliana no mendondo mendondo. Ma peliana no mendondo ndupse cho ya pyan. Ma peliana no mendondo mendondo. Ma peliana no mendondo ndupse cho ya pyan. Bonjour, chère Marlène. Il y a fête? C'est quelle fête? Je ne suis même pas informée. Coco Tcha, bonjour. Christine Yeme, bonjour. Connectez-vous, partagez le direct. Je vais faire une petite vidéo de 30 minutes pour parler des trafics énergétiques. C'est pour ça que mon ancienne page, elle était structurée. Où vous bipez quand il y avait des directs. Ma peliana no mendanda mendanda. Ma peliana no mendanda ndupse cho ya pyam. Ma peliana chala. Je me place bien hein, pour faire la vidéo. Ma peyencha won chalanan tam gweyong. Ma peliana no mendondo mendondo. Anne-Marie, Nathalie Nana, bonjour. Ma peliana no mendondo ndupse cho ya pyang. Ma peliana no mendanda mendanda. Ma peliana. Je suis en train d'essayer de partager, hein, parce que le direct ne sera pas long. Ma peliana no mendanda ndupse cho ya pyang. Ma payen chana chana. Partagez le direct. Je vais lancer le direct. Même s'il y a 5 personnes, je vais lancer le direct. Ma payen cha wo chala nantam gweyong. Ma peliana no mendanda mendanda. Ma peliana no mendanda ndupse cho ya pyang.
Bien le bonsoir, chers tous. J'ai mis du temps parce que j'étais dans les bouchons. Je vais vous faire une vidéo aussi. Marie-Hortense Nitt. Ouais, Marie-Hortense Nitt. Laisse-moi comme ça là. Je chante seulement, non? ça me rappelle voilà ma peliana non mendanda mendanda ma peliana non mendanda dobsecha yapua. Bien le bonsoir chers tous, j'étais dans les bouchons de l'autre côté, j'étais hors de la ville. Rosine, bonjour, Ngome Mounamboa. Rosine, merci ma puce pour les fleurs. Merci mon bébé. Merci ma petite soeur chérie. Je voulais vous parler des trafics des énergies. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi je fais plus régulièrement des vidéos ces derniers temps. Ils croyaient que je n'ai plus d'énergie. Non. Ou bien que je n'ai plus d'idées. Je n'ai plus, non. C'est que, d'une part, le fait est que j'ai perdu mon ancienne page, qui était une page bien structurée. Ça m'a un peu cassé. Ça, c'est vrai. J'ose l'avouer. Parce que là-bas, j'avais déjà, voilà, j'avais mes habitudes et tout. Et, également, ces derniers temps, je suis un peu prise par mon emploi de temps. Du lundi au vendredi, je suis, voilà. Et le week-end, parfois, je suis aussi également très prise. Du coup, c'est même pas ça. C'est aussi l'impact, c'est aussi un peu trop le fait que j'ai perdu mon ancienne page et que cette page, je ne parviens pas à l'acceptation des nouvelles personnes qui arrivent, que je ne, voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir que je puisse gérer cette page avec tact et délicatesse pour pouvoir atteindre le niveau de l'autre page. Voilà. C'est pas pour autant que je ne vous ferai pas des vidéos pour vous édifier. La boîte est pleine. Il y a beaucoup de choses encore à vous dire et je vous reviendrai bientôt et très régulièrement. Il y a aussi le fait que je bouge beaucoup. Je bouge beaucoup. On appelait mon père papa mi-avion et je m'appelle mamie mi-avion. Voilà. Alors, je voulais vous parler des énergies aujourd'hui, des trafics d'énergie. Partagez ce direct, même si nous sommes que 10. Le fait est que vous partagez le direct, ça va faire que nos anciennes amies de l'autre page qui me cherchent désespérément comprendront que je n'ai pas déserté les lieux. Ils comprendront que je suis encore là. Et même si je ne fais pas les vidéos avec la même fréquence, je ne suis plus à présenter. Je suis la fille du prolétaire camerounais Papa Mi. Le trafic des énergies, c'est très important. Au cours des péripéties de votre vie, On vous prend beaucoup d'énergie sans que vous ne vous rendiez compte. Parce que le monde tourne grâce aux énergies, je vous l'avais dit. Le monde tourne grâce aux énergies vitaux qui sont nécessaires à la vitalité. Ce sont les énergies qui nourrissent les âmes. Les personnes qui l'ont compris avant vous, vous prennent de l'énergie. Font les trafics d'énergie. J'ai fait ma petite enquête. Bonjour Nadège Kepse. Je serai encore là bientôt, ma puce. Voilà. Les gens, j'ai fait une petite enquête. Il y a des endroits où l'endroit là où, c'est-à-dire, il y a un endroit où on prend beaucoup d'énergie parce que pour prendre votre énergie, il faut que vous soyez soit naïf, soit consentant inconsciemment. Soit consentant parce que vous avez signé un pacte qui vous oblige à donner votre énergie. Mais dans la plupart de cas, ce sont des personnes qui sont consentantes inconsciemment. Vous avez une amie qui a une mauvaise âme, qui vous tire de l'énergie tous les jours, sauf que vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je fais avec elle? Vous avez envie de sortir de cette relation, mais c'est dur, ce n'est pas possible. Vous partez, vous revenez, vous avez un homme, une femme qui vous pille l'énergie. Une femme que lorsque vous avez des rapports avec sexuels avec elle, vous êtes fatigué. Un homme avec qui, dès qu'il monte sur vous, c'est comme si peut-être le ciel vous tombait dessus. Mais vous êtes attaché à cette personne. Vous ne parvenez pas à vous retirer. Vous avez des gens comme ça au quotidien autour de vous qui vous mangent l'énergie, qui boivent dans votre assiette. Béni de Dieu, bonjour. Louise Ndao, bonjour ma copine. Bonjour ma copine Louise. Tu étais ma copine quand j'ai accouché encore. Tu m'accompagnais à l'hôpital. Maintenant, je suis grande.
Il y a des personnes comme ça au cours des péripéties de votre vie qui vous boivent les énergies. Et lorsqu'on vous boit votre énergie, vous êtes comme une proie pour cette personne. Parce que lorsqu'une personne se rend compte qu'il peut vous télécharger les énergies, pour se pavaner avec, il n'hésite pas. C'est le genre de relation, même quand vous vous séparez, la personne revient. Même quand tu veux sortir de cette relation, la personne revient. Vous n'avez pas constaté que dans votre vie, il y a certaines relations. Vous vous séparez avec la personne, 6 mois après, la personne revient. La plupart du temps, c'est des gens qui vous boivent l'énergie et ils ne peuvent pas se priver de votre énergie parce qu'ils n'en ont pas. Leur énergie a été sacrifiée. Leur énergie, ils l'ont vendue. Ils ont besoin. Il y a des personnes, je vous avais parlé des Amazones. Il y a certaines filles là-bas, à Yaoundé, Douala, qui sont des Amazones. Elles sont payées. Elles roulent dans des Prado. Elles vivent dans du luxe. Uniquement, il y a des garçons là, les gars de la jet set là, du showbiz là. Ils sont payés uniquement pour récupérer les énergies et donner ça à leur, à leur supérieur. Ça dit que c'est toute une chaîne. Les gens qui ont vendu leurs énergies. Bonsoir ma soeur Nicole Ngoende. Les gens qui ont vendu, qui ont sacrifié leurs âmes, ont besoin de votre énergie pour vivre. Parce que le monde tourne grâce aux énergies. Maintenant, il y a certaines personnes qui se passent pour des donateurs, qui se passent pour des gens qui viennent en aide à ceux qui n'en ont pas. Le lieu par excellence du trafic des énergies, c'est dans les orphelinats. Répétez après moi, des orphelinats. Beaucoup de personnes qui se passent pour des donateurs, ce sont des gens pour la plupart à 75% qui sont dans des filières des loges sacrificielles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont choisi de sacrifier des orphelins et des nécessités plus qu'ils en sont des gens. Ils font des dons. Ils disent qu'ils partent le donner aux nécessiteux. Si vous saviez ce que certaines personnes font, il y a certains ministres qui sont là. Il y a certains gens qui sont là, qui se disent des personnalités, se disent des hommes noirs. Ils ont des Amazones qui travaillent pour eux. Ils ont des cowboys qui travaillent pour eux. Ils partent dans les orphelinats, ils disent qu'ils donnent des dons. Ils sont complices parfois avec les directrices des orphelinats. En échange, on tire l'énergie des jeunes enfants, on leur donne. Je vais en profiter pour vous dire une chose. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des dons. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne des dons. Faites attention. Ce ne sont pas tous les dons que vous donnez qui marchent. Il y a certaines personnes qui donnent les dons aux sataniques, au diable en personne. Quand tu donnes les dons à quelqu'un dont tu ne maîtrises pas son identité spirituelle, tu fais fonctionner le monde démoniaque. La lumière de ce truc n'est pas très bonne. Hein? Je vais essayer de me placer mieux. Parce que j'ai l'impression que je ne parviens pas... Ce n'est pas à tout, voilà, c'est bon maintenant. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait des dons. Il y a des dons, tu donnes à quelqu'un, ça dit tu donnes à quelqu'un parce que même lorsqu'on vous persécute dans la vie, le monde des, moi je vous avais dit que dans l'astral aquatique, il y a un tunnel qui fait le tour du monde. Tous les mauvais gens se trouvent là-bas, même le petit sorcier de ton village. Il y a des moments où lorsque ces gens ne parviennent pas à prendre des frais de compensation entre tes mains. Ils peuvent mettre même un mendiant sur ton chemin qui te prend de l'argent, qui représente les frais de compensation. C'est ton énergie qu'on prend. Il y a une filière, c'est toute une chaîne. Certaines personnalités sont assis dans leur bureau. Ils ont des Amazones.
là-bas en Afrique, là, il y a des filles qui sont mandatées uniquement et roulent dans des grosses voitures. Quand elles viennent te draguer, toi, le jeune gars qui souffre dans ta famille, tu crois que tu es tombé sur Dieu. Sauf que lorsque tu as l'acte sexuel avec elle, elle tire ton énergie, elle part le donner au mentor, c'est-à-dire qu'à ces grandes personnalités-là, qui ont besoin de l'énergie positive pour continuer à vous mater. Dans les orphelinats, qu'est-ce qui se passe? Il y a des directrices des orphelinats qui sont des redoutables vampires. Elles servent ces personnalités-là. Sauf qu'elles ont choisi de prendre les enfants qui sont vraiment dans le besoin, les démunis. Elles prennent des enfants qui sont dans le besoin. Elles disent que c'est pour les œuvres caritatives. Non. C'est pas tout le monde qui donne du bon pain aux gens. Il y a des gens qui sont là uniquement pour travailler pour le monde occulte. Les orphelinats, c'est le lieu par excellent où on exploite, où il y a un gros trafic d'énergie. Parce que je vais vous dire une chose. Les jeunes d'aujourd'hui croient que aller entrer dans les loges, signer des pactes avec les démons bizarres façon, ça fait de, ça dit ils évoluent, non. Ne les enviez pas. Parce que ils sont sous condition. Ils doivent ramener le maximum d'énergie positive. Et lorsque ce genre de personnes couchent avec vous, vous êtes foutus. C'est à ce moment-là que tu t'assois comme ça, tu sens que tu as besoin de purification. Tu sens que tu as besoin de couper certaines chaînes. Tu sens que tu as besoin de couper certaines cordes mystiques. Tu sens que le grumier est passé sur toi. Tu sens que le grumier est passé sur toi. Il y a certains gens dans la vie, quand tu couches avec eux, tu vas te laver toute ta vie. Leur odeur va toujours sentir mauvais sur toi. Parce que lorsque les gens partent dans les loges, ils vendent d'abord leur énergie avant de vendre leur âme. Parce que c'est l'énergie qui nourrit l'âme. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne dorment pas la nuit. Les directeurs des orphelinats, ils ont toujours des ramifications avec les personnalités. On veut prendre un enfant, on veut coucher avec un enfant, on veut dévierger une petite fille, machin et tout et tout. C'est un lieu dangereux. Parfois, lorsque vous faites des dons dans ces lieux-là, vous le faites inconsciemment, mais vous participez au rite sacrificiel sur des innocents. C'est pour ça que je vous disais aujourd'hui que tous les dons ne sont pas des dons. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as fait un don quelque part que tu penses que le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas sur tous les dons. Il y a certains dons, tu fais les dons pour aider certains gens à sacrifier les enfants. Le don là va rester que là où tu es là. Bien au contraire, tu auras encore plus des problèmes. Dans les tontines, Kwasi Yao, bonjour. Il y a le trafic des énergies dans les tontines. Faites attention quand vous partez adhérer aux tontines. Il y a certaines présidentes d'associations qui sont des sorcières. Lorsqu'elle prend ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front, elle fait un trafic d'énergie. Parce que l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, c'est ton énergie que tu y as mis. Tu as hypothéqué une quantité d'énergie pour gagner cet argent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font un transfert d'énergie. Parfois, tu cotises, on te donne l'argent là, tu ne fais rien de bon avec ça. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait la tontine. Mes chères sœurs, mes chers frères, il y a des gens avec qui tu fais les tontines, tu prends l'argent là, tu ne fais rien de bon avec. Toutes les présidents des associations ne sont pas des personnes saines. Si vous avez constaté les présidents, les gens qui aiment toujours se positionner présidents des associations, présidents des tontines, elles sont parfois dominatrices pour la plupart à 80%. Parce qu'il faut bien dominer les gens pour prendre leur énergie. D'où l'importance de savoir déjà d'un. À qui faites-vous vos dons?
C'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. Ce n'est pas partout où vous déposez vos dons. Vos dons ne servent pas toujours pour des bonnes choses, pour des belles œuvres. Lorsque tu ne connais pas, tu participes inconscient. Moi, je vois, il y a certaines gens, ils sortent leur argent, ils donnent à certaines personnes. Parce qu'on a dit que la personne est sans domicile fixe. On a dit que la personne est clocharde en Occident. Ma chérie, quand tu donnes ton don à ce genre de personnes-là, aux gens qui se mettent sur les réseaux, ils engueulent les gens. Tu sais que ces problèmes viennent d'où? Moi, je vois certains gens qui utilisent leur argent pour faire des dons aux clochards. Il y a certains clochards qu'il faut les laisser errer dans la rue. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait les dons. Tu vois quelqu'un qui passe sa vie sur les réseaux sociaux à insulter les gens, à insulter même les gens qu'elle ne connaît pas. Et bang, elle est clochard. Toi, tu prends ton argent, tu peux lui donner. Pourquoi? Tu ne sais même pas si elle est condamnée à être clochard. Tu ne sais même pas si c'est le karma. Ma chérie, ton don n'ira nulle part. Cette personne est condamnée à être... Elle est condamnée par les grands maîtres à être clochard toute sa vie. Et que tu lui donnes même 1 million, 1 000 euros, elle sera clochard toute sa vie. Quand les maîtres de l'univers décident, même les dons n'ont pas leur place. Tu vois un mendiant dans la rue, tu peux lui donner ton argent. Pourtant, c'est un esprit qu'on a mis dans ce mendiant pour te prendre. Depuis longtemps, ta famille en Afrique te cherche. On veut te faire du mal. Tu les esquives, tu te caches. Ils avaient l'habitude de prendre ton énergie, tu as compris le jeu. Tu te mets à l'abri. Ils veulent prendre quelque chose qui t'appartient. Pour remplacer l'énergie, on appelle ça les frais de compensation. Tu sors dans la rue, tu vois un mendiant au bord de la route. Juste là où, sur ton chemin, il te vient l'envie de faire un don. Tu peux faire le don à ce mendiant. Tu ne connais pas l'entité qui habite ce mendiant. Parfois, vos ennemis se transforment même en mendiant pour prendre quelque chose de vous à titre de frais compensatoire. Si une femme est clochade en Europe, ça veut dire que c'est son karma. Elle mourra clochade. Ne lui donnez rien. Parce que vous êtes en train de contribuer peut-être à une malfaitrice. Elle attaque les gens. On lui a fait ça. C'est pas parce que vous lui donnez les dons qu'elle sera plus clochard. Elle sera toujours clochard. Jusqu'à ce qu'elle revoie sa façon de vivre ou de faire. On appelle ça le karma. Karma is a fucking bitch. Tu vas dans un orphelinat où la directrice de l'orphelinat, c'est une grande sorcière. Elle prend l'énergie des gens, des enfants innocents, pour le livrer aux ministres, aux personnalités, aux femmes laman. Aux Rosicruciens, aux francs-maçons, tu peux donner ton don là-bas. L'enfant comprend son énergie. Tu payeras toi aussi, tu auras ta part de responsabilité là-dedans. D'où l'importance de l'esprit de discernement. Sachez là où vous déposez vos dons. Ce n'est pas tous les dons qui ont un retour positif. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous voulez poser un don, accompagnez-le toujours de la parole. Lorsque vous ne pouvez pas savoir, parce que moi, je ne pose pas mes dons partout. Quand je fais un don, je suis sûr que ça va marcher. J'aurai un retour. Et je ne fais pas mes dons, je ne donne pas des dons pour le plaisir de me faire voir. Non. Je donne à qui mérite et de qui de droit. Il y a des gens à qui vous donnez des dons, vos portes s'ouvrent.
Il y a des gens à qui vous donnez des dons, vos portes se referment. Le monde n'est pas comme vous croyez. Je ne peux pas me permettre qu'une clochette qui a quand même son téléphone pour attaquer les gens sur Facebook soit en train de crever que je lui fasse un don. Ça, c'est pas possible. On appelle ça le karma. Karma, il s'est fucking bitch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a attaqué quelqu'un qu'elle ne devait pas attaquer et on l'a frappé. Quand tu donnes ton don, ça veut dire que tes portes vont se refermer davantage. Tu vas la rejoindre dans la clochardise. C'est de ça qu'il s'agit, parce que lorsqu'une personne atteint le degré de clochardise, c'est la malédiction divine. Ça veut dire que tu es maudite. Ce n'est pas partout que vous devez déposer vos dons. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne les dons. Il y a certaines personnes, il vaut mieux les laisser crever que de leur donner ce qui vient de la sueur de ton front. C'est malheureux que je le dise pour une personne comme moi, qui suis toujours très proche des gens et qui fait beaucoup. C'est-à-dire, je suis vraiment dans la relation avec la personne et qui fait beaucoup pour des gens. C'est malheureux que je vous le dise, mais c'est la triste réalité de la vie. Les gens, la vie, regardez par exemple, je vais vous dire une chose. Récemment, la France avait une grosse dette, est tombée en crise. Elle a été choisie pour être sacrifiée après la guerre spirituelle qui s'est passée dans l'astral entre 2017 et 2019. Les esprits de la douane spirituelle française ont été frappés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre, c'est-à-dire, ils ont utilisé le système du virus. Faire tomber un virus, fermer les gens, puiser l'énergie de ces personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu tenir pendant leur connerie qu'ils appellent. Et même jusqu'à présent, ils sont en train de persister. Ils sont en train de vouloir laisser sortir les gens. Et dès que vous allez prendre goût, en octobre, ils vont revenir, ils vont dire, ouais, le virus est remonté, on va reconfiner maintenant et vous exigez le vaccin. C'est lamentable. C'est lâche. Mais bon. Le monde, bonjour Raven Gando, le monde tourne grâce aux énergies. Et le monde démoniaque, c'est na erreur Fombutu Kunadame Fondos. Dans les écoles, on exploite l'énergie de vos enfants. Parce que le monde tourne grâce aux énergies. Lorsque vous voulez faire des dons, demandez à votre esprit. Vous n'avez pas. Pourquoi est-ce que. Ça c'est la parole, ça. Vous avez la parole. Les muets, eux, ils n'ont pas la chance que vous avez. Vous avez la parole. Utilisez le pouvoir de la parole parfois. Pour vous dire que la clocharde, si qui bavarde beaucoup sur Facebook là, si je lui donne mes dons, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas une malédiction qu'on lui a lancée que si je donne mes dons, je vais retrouver sa même malédiction là? Parce que être quand même clocharde en France, c'est grave. C'est une malédiction. Et une grosse malédiction. Posez-vous des vraies questions avant de déposer ce qui vient de vous. Ce qui vient de... Votre argent fait partie de votre champ magnétique restreint. Avec ton argent, on peut tout faire. Avec ton sous-vêtement, on peut tout faire. Avec ton habit que tu prends, tu donnes à quelqu'un, on peut te faire du mal. Mais oui. Donc faites attention à qui vous donnez votre argent. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne son argent et qu'on dit oui, j'ai fait les dons. Il y a certaines personnes, dès que tu leur fais des dons, à l'instant même son karma te suit. Parce que la personne utilise... Écoute-moi très bien Anne-Marie, tu sais, si je ne réponds pas parfois à certaines gens, c'est parce que j'ai un peu trop de mépris pour certaines personnes qui n'ont aucune posture et que j'estime que je ne réponds pas. Mais quand j'ai à dire quelque chose, je le dis à haute et intelligible voix. Moi, je me fais plaisir de dire certaines choses. Oula.
Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait les dons. Parce que les trafics d'énergie se font dans les petites choses dont vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'on peut vous prendre les trucs là-bas. Lorsque j'étais en classe de 6e au lycée de Bonamou Sadi, j'avais une amie avec qui je marchais. Nous étions trois. Il y avait cette amie, il y avait une autre, Jacqueline, et il y avait l'autre. Jacqueline avait le même âge que nous, mais elle était déjà très avancée par rapport à nous. Donc nous étions des bébés à côté d'elle. Mais Jacqueline avait déjà ses menstrues depuis, oui. Et il y avait des... Quand ça commençait, elle ne venait même pas à l'école. Parce que c'était énorme. Elle avait, on appelait ça des règles douloureuses. Et un jour, le matin, je ne vois pas mon amie, celle avec qui j'étais un peu proche. Et je me demande où est-ce qu'elle est partie et tout. Le soir, quand je finis les cours, je pars chez elle. Sa mère me dit qu'elle ne peut pas venir à l'école parce qu'elle a des règles douloureuses. Oula. Excusez-moi, j'ai un truc qui tombe tout le temps. Sa mère me dit qu'elle ne peut pas venir à l'école parce qu'elle a les règles douloureuses. La fille a mal au ventre, elle se roule par terre, elle se tortille et tout. Et voilà. Sauf que le mois d'après, je me rends compte que celle-même qui avait les règles douloureuses, elle ne les avait plus. Elle a fait un transfert sur l'autre. Oula, Seigneur Dieu, ce truc, ça va me faire... Elle a juste fait un transfert énergétique des règles douloureuses sur notre camarade qui était une fille très naïve, qui voilà, était d'une famille pauvre, qui était très nonchalante, qui était très naïve. Elle n'a pas osé le faire avec moi. Parce qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait pas le faire avec moi. Elle l'a fait à la personne qu'elle estimait être son moins cher. C'était une façon de vous dire que dans la vie, les gens croient que vous êtes leur moins cher. Faites attention au trafic énergétique. Beaucoup de gens vous prennent de l'énergie, mais vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup de gens vous prennent de l'énergie, vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup de gens utilisent vos énergies, vous ne vous rendez pas compte. Dans les orphelinats, il y a certaines directives d'orphelinats qui ont été financées par les lobbies, les groupes des loges. Elles montent un orphelinat, elles récupèrent les orphelins, sauf que ces orphelins servent de rite sacrificiel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, lorsqu'on a vendu quelqu'un, ce n'est pas quand la personne est morte que oui, on dit que la personne, on a vendu la personne. Non. On peut vendre une personne, tu es vivante, mais tu n'as plus ton énergie avec toi. Parce que c'est puisque c'est l'énergie qui nourrit l'âme, lorsque tu n'as plus la quantité d'énergie nécessaire pour nourrir l'âme, tu es là comme ça, comme si tu n'étais pas là. Tu es là comme si tu n'étais pas là. D'où l'importance de préserver vos énergies. Parfois, tu as une amie, tu marches avec elle. Tu ne sais pas que cette amie, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Elle te prend tes énergies. Chaque fois qu'elle est à côté de toi, tu as l'impression qu'elle te domine. Tu as l'impression que, c'est-à-dire, c'est le genre d'amie. Lorsque tu as un événement, elle ne vient pas. Lorsque elle a son événement, tu es toujours là à travailler comme une vache. Tu te démêles pour elle, mais elle ne bouge pas le petit doigt pour toi. Elle te domine. Mais tu ne te rends pas compte qu'elle te domine. Quand tu la vois, tu as peur. Quand tu as l'impression que peut-être tu es menacé quand tu es avec elle. Quand tu marches avec elle, c'est comme si elle te faisait de l'ombre. C'est comme si peut-être... elle te fait de l'ombre en fait.
Il y a beaucoup de signes qui ne trompent pas lorsque quelqu'un utilise vos énergies. Ouvrez juste les yeux et vous... Bon, bonsoir, maman Doris. Ouvrez juste les yeux et vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes autour de vous vous prennent beaucoup d'énergie. Lorsque tu as rencontré un homme, tu étais jovial, tu te faisais belle, tu pouvais t'exprimer, tu avais ton mot à dire. Mais dès que tu avais cet homme, au cours des péripéties de la vie, tu as l'impression que tu as peur de lui. Tu as l'impression, c'est-à-dire tu as même peur, c'est-à-dire tu te sens fatigué quand tu es avec lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un trafic d'énergie qui se... Soit cette personne a un esprit très fort et son esprit domine le vôtre, et par ricochet, il vous prend l'énergie. Tu es avec quelqu'un, avant tout ce que tu faisais marchait, mais depuis que tu es avec cette personne, tout ce que tu fais, ça tripe, et lui, tout ce qu'il fait, ça marche. Fais attention. Tu es dans une relation de trafic d'énergie. Tu es probablement dans une relation où, parce que deux personnes qui marchent ensemble, même si c'est l'amitié simple, devraient se compléter. Donc, dans la vie de tous les jours, on vous prend de l'énergie et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des gens autour de vous qui vous pillent de l'énergie. Et c'est lamentable. C'est lamentable parce que vous donnez des choses qui... C'est pour ça qu'à un moment donné de la vie, lorsque vous ouvrez les yeux et que vous récupérez ou bien qu'on récupère tout ce qui vous revient, vous vous rendez compte que vous ne viviez pas une vie qui était la vôtre. Parfois tu es là, tu vis, mais quelqu'un d'autre vit ta vie quelque part. Ton enfant va à l'école, il était très intelligent, à un moment donné, commence à être bête et tout. C'est des chaînes. C'est toute une chaîne. Parce que lorsqu'ils prennent ton énergie, ce n'est pas une seule personne qui en bénéficie. Parfois, la chaîne peut avoir même 1 million de personnes qui bénéficient de ton énergie. Parce que lorsque la création, lors de la création, on met en toi une quantité d'énergie vitale pour le, c'est-à-dire qui va te servir pour ta vie, qui va nourrir ton âme. Lorsque vous dites parfois aux gens, oui, telle personne a vendu son âme. Moi, je dis à la même personne, tu as vendu ton énergie vitale. Parce que c'est l'énergie, c'est lorsque l'âme n'est plus nourrie, lorsque l'âme n'a plus d'énergie, la personne meurt. Et cette âme remonte. Cette âme n'habitera plus jamais ce corps. Est-ce que le volume est bon ou bien je recommence les explications? Est-ce que Maman Kamini recommence encore les explications? Lorsque vous naissez, il y a une quantité d'énergie que vous avez, que vous venez au monde avec. C'est cette énergie qui nourrit votre âme. Parce que lorsque l'âme n'a plus d'énergie, vous mourrez. Et lorsque vous mourrez, cette âme remonte, même si c'est une âme karmique. Parce que cette âme a été créée par un esprit de tutelle. Je vous avais parlé des esprits de tutelle, les esprits de la créativité, les esprits de la nativité, les esprits de tutelle. Je vous avais même dit que sur Terre, s'il y a 700 milliards d'habitants, il y en a que 300 milliards qui sont des êtres humains. Les autres 400 là, c'est les léviathans, les bêtes, les animaux, les... Parce qu'un être humain a 7 vies et 5 voix. Lorsque cette âme n'est plus nourrie, lorsque cette âme n'est plus ravitaillée, parce que on vous a pris votre énergie, regarde, je vais vous dire, en chiromancie, la chiromancie, c'est une science qui permet parfois de lire les lignes de la main, parce que au cours des péripéties de ta vie, tout ce qui s'est passé dans ta vie, ça se dessine là, dans la paume de ta main. Oui.
Si il était prévu, lorsque tu vis au monde, que tu devais faire 90 ans sur terre, et qu'au cours des péripéties de ta vie, tu n'as pas assez d'esprit de discernement. Les gens qui sont malsains, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ton énergie. On utilise. Au fur et à mesure qu'on utilise, ça te diminue tes années de vie sur terre. À un certain âge, lorsque ton âme n'est plus ravitaillée parce que l'énergie, parce que vous voyez, lorsque les personnes vieillissent, lorsque les personnes vieillissent, ils n'ont plus assez d'énergie. Ils sont en train de partir. L'homme naît, il rampe. Il marche. Il grandit. Et au fur et à mesure qu'il grandit, son énergie, c'est-à-dire il grandit avec son énergie. Et après, il redescend, la courbe redescend. Lorsqu'il atteint un certain âge, l'énergie commence à diminuer parce que l'énergie nourrit l'âme et l'esprit. Et lorsque ton énergie commence à diminuer, il y a des personnes, il y a des jeunes là dehors qui ont vendu leur énergie, ou plutôt qu'on a vendu leurs énergies. Vous avez vu, actuellement en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Parce que ces grosses personnalités-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent les jeunes dans leur connerie de loge. Et dans les loges, lorsqu'ils entrent dans les loges, ils ont des parrains. Et ce sont ces parrains qui profitent, on leur donne les miettes. Et à un moment donné, lorsque celui qui l'a amené dans les loges est coincé, il vient tirer l'énergie de cet enfant, il part donner pour faire tourner les loges. Et ces jeunes meurent beaucoup maintenant, parce qu'on les trompe. Préservez vos énergies. Parce que ces gens-là, lorsqu'on leur met la pression dans leurs obédiences là-bas, ils viennent chez vous. Tu vas voir, il y a une femme en Suisse. Je vais encore parler l'histoire de cette femme. Et quand je vais aller repartir au Cameroun, je vais chercher à savoir, parce qu'il y a un taximen là qui m'a parlé de cette femme. C'est la deuxième femme, fois qu'il me parle de cette femme. Je vais le sonder, je vais savoir son nom. Lorsqu'elle part au Cameroun, elle est du Lance Club. Elle est à la Rose Croix, pardon, excusez-moi. Elle a des immeubles là-bas au Cameroun. Sauf qu'elle a signé un pacte que chaque fois quand elle attrape un homme, un Moukala, il meurt, elle prend ses biens. Elle est là en Suisse. Et pour nourrir ce pacte-là, pour nourrir les hôtels kabbalistiques, de ces trucs qu'elle a signés, lorsqu'on lui demande un sacrifice, elle part au Cameroun, elle part en Afrique, elle prend un jeune gars. Alors elle a pris un jeune gars qui était taximène une fois, un jeune qui me conduit parfois, et c'est le jeune qui m'a raconté l'histoire. Le jeune, lui, la femme lui demande de travailler avec elle, de la conduire, sauf qu'elle a pris l'habitude de l'appeler parfois la nuit, et le jeune vient de se marier. Ce qui a sauvé le jeune, c'est qu'il venait de se marier, il était encore amoureux de sa femme. La femme a une belle maison, elle a du champagne, elle ouvre le champagne, elle dit au mec, accompagne-moi. À un moment donné, elle vient s'asseoir sur les pieds, mais le mec dit non, moi j'ai ma femme. Et lorsqu'elle se rend compte que le mec l'a repoussée, elle appelle son complice gendarme de la brigade de gendarmerie de Bonamoussadi. Elle lui dit, on menace le jeune taximen en disant que il a volé 90 000 francs CFA. Comme il y a l'abus de pouvoir au Cameroun, le gendarme dit avec son arme qui n'est même pas chargée, on menace le jeune. Heureusement que le gars conduisait l'enfant d'un magistrat. Le jeune taximen conduisait l'enfant d'un magistrat qui il le déposait à l'école. Il a été sauvé des griffes de cette saleté qui vit en Suisse. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'à défaut de puiser l'énergie du gars par le sexe, elle appelle le gars. Elle lui dit, s'il te plaît, trouve-moi un jeune gars là qui peut me conduire. Le gars appelle un autre jeune gars qui n'avait pas de taxi, qui trimait la doigt là. Il lui dit, il y a une femme là.
qui veut quelqu'un, mais va là-bas, sois sage, parce que c'est juste ça qui a problème. Dès qu'on dit au gars qu'elle est bengue, ce gars dit seulement qu'il y a un pardon, ça a un problème quoi. Moi, même si c'est une matière, je prends. Pourtant, on a averti au gars de faire attention. Le gars part, c'est comme ça que cette femme, elle a pris le gars, il est tombé, il a dit qu'il a trouvé sa part de bengue. Mes frères, faites attention. Il y a certains bengues qui ont les cornes. Tout de même comme parfois, vous qui partez en vacances là-bas en Afrique, là, vous tombez souvent sur certains hommes qui disent qu'ils vous gèrent, mais ils vous sacrifient. Ils sacrifient vos énergies. La femme, dès que le gars l'a conduit une semaine, elle a improvisé un retour surprise en Suisse et le gars est mort. Un jeune gars de 28 ans, il est mort. Elles ont toujours de ce genre de relations, les petits gendarmes, de rien du tout là, pour intimider les gens. Cette femme est en Suisse. Lorsqu'elle veut sacrifier, elle part en Afrique, elle prend un jeune gars. Elle dit, tu vas me conduire et tout. Pourtant, elle peut conduire. Et après, elle te séduit et tout. Tu te dis que tu as trouvé ta benguise, elle va t'amener en bengue. Paf! Dès qu'elle tourne le dos, tu tombes. Cette femme est là en Suisse. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait toutes les choses. Il y a certaines personnes qui marchent, qui ont le sexe venimeux. Il y a certaines filles qui ont le guet-apens, le crapaud dans le sexe. Lorsque tu finis d'avoir des rapports avec cette, elle te tire une quantité d'énergie qui peut faire 20 ans de vie. Il y a certains hommes qui, lorsque tu as des rapports avec lui, ils ont le serpent au niveau des reins. Ils te tirent de l'énergie qui peut correspondre à 20 ans de vie. Lorsque vous partez en vacances, j'entends certains gens dire que hey, quand je vais partir en vacances, hein, je vais casser les petits. Ce ne sont pas tous les petits qui sont petits. En Afrique maintenant, on utilise beaucoup de jeunes dans les loges pour aller faire les trafics d'énergie et le donner aux grandes personnalités. J'ai eu la vidéo d'un jeune garçon qui disait qu'il travaillait chez un ministre qui lui payait 30 000 francs de salaire. Et 30 000 francs de salaire, un ministre d'État. Mon frère, j'ai appris que tu es en prison. Tu dis que tu viens d'une souche où on a les pouvoirs. Lorsque quelqu'un a des pouvoirs en lui, il est orgueilleux. Même si on le traite d'orgueilleux, il est prudent. Même s'il y a la misère, tu ne peux pas aller vendre ton énergie. C'est fini pour toi, hein? Ce jeune gars-là qui a témoigné l'histoire d'un ministre au Cameroun, je n'ose pas prononcer son nom parce que, comme c'est les Ninza Tekwele, ils sont très forts. Ils sont très forts, ils sont comme des chiens devant une barrière. Mon ami, lorsque tu entres dans une maison, tu vois qu'il y a des choses bizarres, les incantations, tu sors de là. Parce que ces gens-là, ils ont, c'est-à-dire, ils captent ton, dès que tu entres dans leur univers, ils captent ton énergie. Que tu le veuilles ou pas, ils vont l'utiliser. C'est fini pour toi, ce ministre t'a mis en prison, il utilise ton énergie. Il n'a pas besoin de ton consentement. Parce qu'il capte ton esprit, il embrigade ton esprit, il met ton esprit en prison. Et lorsque ton esprit est en prison, on enferme ton esprit. Lorsque ton esprit est en prison, tu n'es plus, ça dit on prend ton énergie. Coucou mon bébé Blandine, ça va? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'innocents en prison. Parce qu'ils prennent vos énergies. Lorsque tu es enfermé, ton esprit aussi est embrigadé avec toi. Et ils prennent ton énergie, ils prennent ton esprit, ils mettent en prison, ils utilisent ton esprit, ton énergie. On te vide de tes substances énergétiques. Ben oui, c'est malheureux, mais j'ose le dire. Protégez vos énergies.
Parce que déjà, je vais vous dire, lorsque vous travaillez dans un service, je voulais vous dire, ce n'est pas que la force physique que vous apportez. Vous donnez de votre énergie à ce service. C'est pour ça qu'il y a des services où quand tu travailles, tu es fatigué tout le temps. Quand tu te lèves de chez toi, tu pars travailler juste pour un salaire. Tu es fatigué. Ta tête fait mal. Tu as les vertiges. Ça veut dire que dans le service, là, on a mis un dispositif pour prendre ton énergie, pour faire tourner la boîte. Les gens qui partent en vacances en Afrique, qui sont les Mengis là, vous dites que j'ai mon petit là-bas, je vais marcher et tout, arrêtez ça. Il y a des hommes là en Afrique, ils sont prêts. Lorsque tu viens, parce que lorsqu'une personne voyage, il a une étoile, l'étoile des voyageurs. Lorsque je venais d'arriver en Europe et que je partais en Afrique, il y avait un groupe de filles en Gaoundéré avec qui je fonctionnais parce que bon, elles étaient comme mes petites sœurs et tout. Un jour, je suis venu, j'avais une perruque, une greffe sur ma tête. C'était quand les mèches brésiliennes venaient de sortir, ça chauffait encore. J'en ai acheté, j'ai mis sur ma tête. Il y a une parmi qui m'a dit, je veux payer ta greffe. Je me suis dit que bon, comme en rentrant, je vais me faire des tresses et tout. Pourquoi pas, je vais lui vendre ça. Lorsque je suis revenu ici là, j'ai vu le feu. Elle a pris ma greffe, elle a donné à sa mère. Sa mère est partie travailler sur ça. Des jeunes filles, hein. Quelques temps plus tard, la fille a voyagé, elle est venue parce que vous avez l'étoile du voyageur. C'est une étoile que tout le monde n'a pas. Parce qu'il y a certaines personnes, ils arrivent, même ceux qui passent par le désert, ils traversent, ils arrivent. Ça veut dire que la douane spirituelle valide. Il y a d'autres qui meurent, ils n'ont pas l'étoile du voyageur, ils n'étaient pas faits pour traverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez l'avion pour aller en vacances, vous avez l'étoile du voyageur. Il y a certains hommes là, ils sont prêts pour vous. Avant d'aller dormir avec lui là, est-ce que tu t'es posé des questions? Écoutez, vous savez, une fois lorsque j'étais sur mon ancien mur Facebook, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un monsieur qui travaille à la DSP, c'est la garde rapprochée de Paul. Il vient m'attaquer sur Facebook. Pourtant, c'était un agent double, on l'avait mandaté. Moi, comme je me laisse pas faire, parce que quand quelqu'un m'attaque, je regarde d'abord le profil, je vois si je peux te répondre. Si je peux pas te répondre, hein, tu vas même venir chier devant ma porte, je vais pas te répondre. Quand j'ai du mépris pour quelqu'un, je lui réponds pas. Je regarde le type, il avait mis tous ses attributs là, docteur machin, docteur machin, docteur en ci, docteur en ça, docteur machin, doctorant en papa, doctorant en maman, doctorat en quoi, quoi en vie. Je l'ai attaqué. Il me dit, quand tu vas venir au Cameroun, je vais voir ma chaîne, j'ai pris ton nom, ma chaîne, je suis le neveu des paysans d'appui. Ils ont toujours ce mot dans la vie. Moi, je lui ai dit que moi, j'aime l'avion. Tu me donnes une occasion de venir. Je suis allé check-in, je regarde, les billets d'avion étaient à 460 €. Aller et retour, Bruxelles Airlines. J'ai check-in un billet d'avion. Je lui ai envoyé une box. Je lui ai dit, comme tu es à Yaoundé, j'arrive pas à l'aéroport de Simalène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu m'as dit que Yaoundé c'est ton village, je viens te défier dans ton village, sur ton sol, avec mon staff derrière moi. Quand j'arrive à Yaoundé, bien évidemment, monsieur était à l'aéroport. Mais dès qu'il a vu la fille de papa Mi, il est venu vers moi. Il s'est fait tout petit. Il est venu me saluer, ouais, on n'est pas obligé de se faire la guerre, nanani, nanana, machin, non. Je suis allé dans le village, on est devenu forcément amis. Bon, pas amis, vrai. Comme j'étais venu juste pour la cham, il m'avait dit que quand il va venir, il va me mettre son âme sur la table. Moi, je suis venu pour une semaine pour cham, pour voir comment on va me mettre l'âme sur la table. J'arrive maintenant, me dit ça, j'avais pris mes bouteilles de vin là. J'avais ça dans la valise. On a bu là, j'ai dit que ben, c'est un malade, il me fait gaspiller mes 460 € pour rien. On est parti dans son village là-bas à Saint-Benima. Quand je suis arrivé, les gens l'attendaient, c'était à Monocore. Pas loin du village d'Arcangelo. Les gens l'attendaient avec les goudins. Les enfants des gens qui partaient du village, qui venaient chez lui à Yaoundé, il les a tout vendus.
lorsqu'il accompagnait encore l'autre en Zurich, en Suisse, avant que Calibri Calibro ne... ne vienne mettre fin au voyage du père. C'est lui qui montait, qui descendait, nanani, nanana. Il liquidait les enfants des gens. Lorsque j'ai vu là où il vivait, le monsieur venait il avait enceinté sa propre fille dans la maison. Sa fille venait d'accoucher son propre enfant. Voilà seulement ce qui est dans les loges. Voilà, il n'y a rien d'autre de bon. Oui, Ngomemunamboa, quand quelqu'un me dit que je vais, même si tu as nu, il veut venir, j'aime voyager. Mon père a passé toute sa vie dans l'aéronautique. Il a fait une formation aéronautique, aérospatiale à Toulouse, avant de travailler à la Camère, toute sa vie, 40 ans. Le monsieur avait une vie pitoyable. Le monsieur a ouvert sa bouche, je vous le jure, il s'est confié à moi. Il m'a dit qu'on l'a trompé, il est entré dans la rose, quoi. Il sait qu'il va mourir, il veut même fuir, il n'y a pas moyen. Tous ses enfants sont condamnés. La femme qu'il avait épousée, il a tellement persécuté la femme que la femme a fui. C'est pour ça qu'on dit ne jugez pas certaines femmes. La femme a fui, abandonné les enfants, il couchait avec ses propres filles. Sa fille venait de faire un enfant dont il était le père. J'ai eu les larmes aux yeux comme ça là. Ces gens n'ont rien à vous prouver. Ils sont très malheureux. Il y a des moments quand je suis sur Facebook, je vois ce monsieur, il est sur Facebook, il gueule, mais moi je sais. Moi je sais à quel niveau il est mort. Parce que comme je suis une personne assez courageuse, je passe souvent voir. J'ai pas peur des cadavres. J'ai peur de rien en fait moi. Il n'y a rien ni personne qui me fait peur en fait. Il n'y a que Dieu. Je suis allé voir, il vivait d'une misère pas possible. Il vivait d'une misère dans les maisons Kangsit de Yaoundé. C'est là-bas qu'il dort avec ses propres filles, leur fait des enfants. Parce qu'on lui a obligé de faire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait le trafic, il vend l'énergie de ses propres filles. Et demain ou après demain, ses filles vont rencontrer un homme. Et cet homme sera concerné par ce trafic de mauvaise énergie qu'on a déposé en leur, à la fille. C'est là où tu entends parfois dire à quelqu'un que pour te laver, il faut 10 tins d'huile avec 50 bidons de bain purificateur. Certains gens marchent ici dehors, ce ne sont pas des humains. C'est des léviathans. Quand vous marchez dans le métro, il y a des moments où tu entres dans le métro, tu en ressors, tu es fatigué. Parce qu'on te prend tes énergies. Pour te protéger, il faut toujours utiliser le pouvoir de la parole. Prenez l'habitude de faire même des bains de purification avec du sel simple. Chaque semaine, même tous les jours, pourquoi pas. Le sel coûte 50 centimes. Parce qu'au cours des péripéties, quand vous sortez, on vous prend vos énergies. Imaginez-vous les enfants de ce monsieur qu'il est en train de part, sûrement même son garçon, il part. Quand il va à l'école, il est déjà envoûté, il envoûte vos enfants. Ce monsieur à la rose croix, obédience de Yaoundé. Ce que je vous dis est vrai, je ne raconte pas des histoires. Je suis allé jusque dans son village, à Monocor. Pas loin de chez les... Je suis allé même chez Arcangelo. Les enfants d'Arcangelo, le monsieur qui avait chanté, il avait chanté quoi là? Ils en ont profité pour me recevoir. Au départ, je partais pour la cham. Je partais pour qu'on tire sur moi. Je me suis retrouvé, ils m'ont expliqué des trucs, machin et tout. Ils m'ont même donné à manger. Je plantais pilé la compile comme ça, c'était très... J'aime manger avec du bouillon. Chez Arcangelo. Quand tu arrives dans le village du monsieur, les tombes. Il a tué les enfants des gens presque 50.
Il a pris leurs énergies. Et lui-même, il n'utilise pas cette énergie-là. C'est les loges qui utilisent ça. Et aujourd'hui, il a peur de mourir. Il sait que d'un mal à l'autre, on va lui dire, bon, si tu n'as plus d'énergie à nous donner, va te faire foutre. À quoi ça vous sert de vendre l'énergie qui nourrit vos âmes? Si c'est pour se ridiculiser comme ça. À quoi ça vous sert de vendre vos énergies? Que cherchez-vous au juste? La vie est simple. La nature a ses lois. Impose-lui tes lois, sinon elle t'imposera ses lois. Il y a des moments dans la vie, il y a certaines personnes, tellement on les a persécutées, qu'ils sont partis. Ils recherchent la paix au point où ils signent des pactes dont ils ne maîtrisent pas. Lorsque vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, faites demi-tour. N'ayez pas peur de ce qu'on dit que oui, quand tu entres, tu ne peux plus sortir. Lorsque vous entrez dans une tontine et que vous vous rendez compte que vous prenez l'argent, vous ne faites rien de bon avec, sortez de cette tontine. Non, Esther là, Arcangelo avait chanté une chanson comme ça, là, pour le président de la poule. Je ne sais pas si c'est lui qui avait chanté ça. Ou on dit que c'est lui qui a fait l'hymne national. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien. Je ne me rappelle pas bien de ce qu'il a fait, mais il est de San Melimala, dans un village, là, à Monoko. Lorsque vous êtes dans une tontine, qu'on vous donne de l'argent, et que vous vous rendez compte que vous ne faites rien de bon avec l'argent, partez de cette tontine, n'ayez pas peur. Lorsque tu marches avec quelqu'un et que tu te rends compte que cette personne te fatigue spirituellement, sors de cette relation, n'ayez pas peur de mettre fin aux relations. Je préfère quelqu'un qui protège son champ magnétique et qui est solitaire qu'une personne hypocrite qui subit et qui parle derrière. Le monde est en train d'évoluer, les choses évoluent. Il est ici clair et important que vous devriez commencer à dire des choses telles qu'elles sont. Personne n'a le droit d'utiliser vos énergies. Je voulais vous dire aujourd'hui au travers de cette vidéo que l'énergie qu'on a mis en vous, vous sert à nourrir votre âme et votre esprit. Cette énergie, si vous ne la protégez pas bien, je ne sais pas, Esther là, je ne sais pas. Il était mort depuis. C'est ses enfants qui vivent. Protégez vos énergies. Protégez vos énergies. Même si on vous trouve dur de caractère, même si on vous trouve bizarre, du moment où vous protégez, ou c'est parce que vous êtes en train de protéger vos énergies, ça me convient. Moi, je préfère une personne qu'on trouve bizarre parce qu'il n'accepte pas de donner son énergie à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit ici. Oh, le type là, il est venu me prendre ma place. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous faire ce direct aujourd'hui. Je vous ferai un autre direct dimanche. Je vais essayer de revenir sur les sujets que j'avais faits sur mon ancienne page. Pour vous dire, c'est-à-dire, je vais essayer de... de me remettre à la page, quoi. Je vais essayer de me remettre à la page en revenant sur certaines idées. Parce que comme je vous avais dit, lorsque je fais une vidéo, j'oublie. C'est un enseignement de l'esprit. J'oublie. Après, si vous me demandez qu'est-ce que tu avais dit, je ne saurais pas. Mais je vais essayer de revenir sur certaines choses que je vous avais dit
dans les précédentes vidéos sur l'autre page. Afin qu'on puisse voilà, avancer quoi. Bonne soirée à vous. C'était férié aujourd'hui. J'ai aimé. Parce que c'est. Ça m'a permis de me reposer un peu. Voilà. Bonne soirée à vous. Hein. Protégez vos énergies et puis faites attention. Protégez vos énergies et puis faites attention. Soyez vigilants parce que la vie, on ne la vit qu'une fois. Votre âme, vous avez une âme qui vit dans un corps. Et cette âme, lorsqu'il est parti, il ne reviendra plus jamais dans le même corps. C'est de ça qu'il s'agit ici. Bien le bonsoir, chers tous. Bien le bonsoir. C'était la fille de Papa Mi. Dimanche. Merci Ngome Mounambo. Hein. Dimanche, je vais refaire une vidéo. Je vais vous donner la thématique sur mon mur. Je m'excuse du retard pour aujourd'hui. J'étais coincé dans les bouchons. J'étais hors de la ville. J'étais coincé dans les bouchons. Et on est ensemble. May God bless you. Ciao.